Je m'appelle Christine Marchal, j'ai 61 ans, je suis l'heureuse maman de 4 enfants. Née à Taon, j'y ai pratiquement passé toute ma vie. Je suis actuellement adjointe à la culture et puis conseiller communautaire déléguée pour la lecture publique. À titre personnel, je suis aussi déléguée départementale de l'association Vaincre la mucoviscidose. Je termine un mandat de 4 ans de présidente aussi de l'EST Centrale qui regroupe toutes nos sections sportives sur la commune. J'adore aller au théâtre, voir des concerts, assister à des belles manifestations, tout ce qui touche à la culture bien sûr, parce que c'est aussi mon poste d'adjoint. Et puis j'aime aussi beaucoup les réunions de famille, les réunions amicales avec les amis, rire, chanter, j'adore chanter. Voilà, je chante généralement souvent dans une journée. Quand je chante pas, c'est que j'ai pas le moral. Nous avons maintenu cette année, au mois de juin, la fête de la musique avec une nocturne commerciale. Cela a été un franc succès. Beaucoup de monde, beaucoup de plaisir à se retrouver, à avoir un lien social qui se recréait. Nous avons pu aussi faire le petit manifestation Festive Taon à destination de nos enfants scolarisés ou autres, bien sûr, avec un spectacle de cirque qui a beaucoup plu. Toujours tout ça, bien sûr, cette année dans les règles sanitaires exigées. Voilà. Et puis, il y a eu aussi la fête du sport et des associations, qui a connu aussi un beau succès, une belle journée bien animée avec beaucoup de personnes qui avaient envie de se retrouver. L'avenir, nous perpétuerons bien sûr avec le délégué à la culture et la commission culture, bien sûr, qui sont là pour m'épauler. Nous perpétuerons les manifestations qui existaient déjà et nous en créerons d'autres bien sûr. Six ans, c'est long et puis c'est court en même temps. Mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour innover, créer tout ça en partenariat bien sûr avec toutes nos associations et faire de nouvelles manifestations, redonner de la vie à notre commune, la faire bouger, la faire vivre tout simplement. Altruiste.